qui termine la présentation des visiteurs et visiteurs. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale. Bonjour, Monsieur le Président. Les comptes publics ont été publiés la semaine dernière et nous avons vu une vue d'ensemble des dépenses et des revenus du gouvernement. Les agences publiques sont censées publier leur déclaration financière en même temps, mais bizarrement, Place Ontario ne l'a pas fait. En effet, Place Ontario n'a pas publié un seul rapport annuel depuis l'entrée en fonction des conservateurs il y a 5 ans. Donc, Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi son gouvernement cache les déclarations financières de Place Ontario? L'adjoint parlementaire et député de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. Si seulement la chef de l'opposition officielle avait fait preuve du même enthousiasme lorsque la partie de l'ancien gouvernement libéral a laissé la Place Ontario dans un état de délabrement et d'incurie. Cela ne va pas se produire sur notre premier ministre, sous notre gouvernement, car nous posons les bons gestes. Nous voulons construire. C'est le meilleur moment pour raviver cette destination tant aimé, et nous allons rétablir les traits naturels et physiques. Nous ravivons Place Ontario en faisant d'elle une destination remarquable pendant toute l'année pour donner aux personnes de tous les âges des espaces publics améliorés, un accès au lac et les services de santé et de bien-être. Question complémentaire. Réponse intéressante, Monsieur le Président. Le gouvernement ne veut pas avouer, il les cache, mais les journalistes ont soumis des demandes d'accès à l'information pour avoir les résultats financiers de 2022. Ce gouvernement veut que les Ontariens croient que Place Ontario est délabrée et abandonnée. Le ministre de l'Infrastructure a même dit à la Chambre que les Torontois et les Ontariens n'en profitent pas. Mais ces nouveaux documents montre que Place Ontario a attiré 2,9 millions de visiteurs rien qu'en 2022, en une seule année, avec des bénéfices records. 2,9 millions de visiteurs, c'est presque autant de visiteurs que la statue de la Liberté à New York. Donc, Monsieur le Président, je n'ai pas l'impression que c'est dans un état délabré. Pourquoi est-ce que le Premier ministre cache les faits s'agissant de la Place Ontario? À l'ordre. Député de Brampton-West. Merci, Monsieur le Président. Place Ontario occupe une place importante dans les cœurs et les esprits des Ontariens. Le nouveau site va accueillir plus de 50 acres de parcs et d'espaces publics avec des sentiers, des espaces verts, des parcs, des fontaines, des lieux pour se promener, avec aussi une marine améliorée et des restaurants tout au long de l'année. Ne prétendons pas que des millions d'Ontariens veulent que la Place Ontario reste comme elle est. C'est un marais dans l'île Est du fait de l'incurie de l'ancien gouvernement. Maintenant, les gens s'intéressent à la plage Echo avec la redynamisation de Place Ontario. Nous allons soutenir la croissance économique et nous créons une destination ouverte et accessible. Nos investissements vont produire environ 5 000 emplois micro-éteints à l'ordre. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, merci. La réalité, eh bien, c'est que le Premier ministre oblige les contribuables de toute la province, que ce soit à Thunder Bay, à Windsor, à Ottawa ou à Timmins, de payer plus de 650 millions de dollars pour subventionner un spa luxueux pour les riches. En même temps, il forme les salles d'urgence en milieu rural, les projets d'autoroutes dans le nord. Il gèle le financement pour les
programme pour les itinérants à Ottawa. Les néo-démocrates croyons que le gouvernement devrait investir pour fournir les soins de santé, l'éducation et le logement dont les Ontariens ont besoin, et non pas dépenser 650 millions de dollars sur les spas de luxe. Est-ce que le premier ministre va arrêter le transfert d'argent public dans les poches privées en annulant le contrat signé avec Therma? Député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président, et merci encore une fois à la chef de l'opposition officielle. Nous reconnaissons l'importance de la place Ontario. C'est un lieu unique, très respecté. Nous allons continuer d'échanger avec les parties intéressées pour veiller à ce que tout soit reconnu et accueilli. Nous avons également organisé des consultations publiques sur le projet de réaménagement. Et je suis ravi d'annoncer que plus de 9 200 personnes ont participé à ce processus pour communiquer leurs idées, leurs réflexions. Comme je l'ai dit, en réaménageant la place Ontario, nous soutenons la croissance économique, la prospérité et nous créons une destination ouverte et accessible pour tous et toutes. Nos investissements vont soutenir la création de plus de 5 000 emplois pendant la construction et après des millions de dollars en loyer et va attirer entre 4 et 6 millions de visiteurs. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. À l'ordre, arrêtez la pendule. À l'ordre. On recommence. Chef de l'opposition officielle, je sais que le gouvernement adore les spas luxueux, mais 650 millions de dollars, ça achète beaucoup de soins de spas. Plus on apprend sur ce contrat secret avec Therma, avec ce bail de 95 ans, normalement, il y a la nomination d'un moniteur de l'équité. Nous avons demandé l'accès à l'information pour avoir plus de détails sur la signature de ce contrat. Apparemment, il n'y a pas un tel document. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la nomination d'un moniteur de l'équité pour ce marché public? C'était l'ancien gouvernement libéral qui a fait preuve d'incurie s'agissant de la place Ontario. Notre gouvernement passe à l'acte. Non seulement nous réaménageons la place Ontario, nous investissons 814 milliards de dollars sur les 10 ans à venir sur des infrastructures. Nous croyons aux actes et nous allons redynamiser, réaménager la place Ontario de manière respectueuse en rétablissant les aspects où c'est très physique et naturel. Avec la création de 5 000 nouveaux emplois, cela va attirer de 4 à 6 millions de visiteurs chaque année, Monsieur le Président. C'est un lieu pour les familles, pour les amis. Question complémentaire. Je pense que je devrais expliquer l'importance de la nomination d'un observateur neutre. Nous avons appris que quelques jours avant l'annonce de ce marché public, la place Ontario a retardé de 3 semaines la date limite. D'autres avaient déjà fait leur soumission, mais Therma ne l'avait pas encore fait avec ta proposition de spa luxueux. Est-ce que le délai a été reporté pour donner un avantage à Therma? Monsieur le Président, nous sommes le gouvernement qui croit à la consultation publique. Nous consultons constamment le public et les autres parties intéressées. Comme je l'ai dit, plus de 9 200 personnes ont participé à la consultation publique. Monsieur le Président, ils ont participé au processus pour communiquer leurs idées. Nous agissons non seulement avec le réaménagement de la place Ontario, mais nous investissons 184 milliards de dollars sur les 10 ans à venir dans les infrastructures. Nous faisons ces investissements non seulement avec la construction de nouvelles autoroutes et de nouveaux hôpitaux,
mais plus important encore, nous relions tous les Ontariens au Internet au débit d'ici 2025. C'est ce gouvernement qui va atteindre ces objectifs cruciaux. Dernière question complémentaire. Bon. Génial. Je vais réessayer. Marché public équitable. Il faut avoir des critères de cotation et des mesures pour évaluer à chaque soumission. Nous avons demandé les critères. Quels étaient les critères utilisés pour les soumissions s'agissant de la place entière? Apparemment, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de tels critères. Si cela vous paraît familier, eh bien, ça ressemble beaucoup à au scandale de la ceinture de verdure. Si Therma était choisi sur la base de critères objectifs et équitables, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'est pas prêt à publier les détails de ce marché public et du choix de Therma? Réponse. Nous écoutons le public dans le processus de réaménagement. Nous avons entendu clairement que les Ontariens sont favorables au réaménagement de la place entre. Nous allons continuer de recueillir les avis de toutes les parties intéressées. Cela fait partie du réaménagement. La ministre Sirmain et le premier ministre Ford ont assisté à la Chambre de commerce de Toronto pour évoquer justement la redynamisation des rives du lac Ontario. Le premier ministre a dit qu'après 15 ans d'incurie, de mauvaise gestion, nous mettons en place une vision de classe mondiale pour raviver la place Ontario. Et lorsque nous allons redynamiser cet endroit, ce sera un lieu remarquable de classe mondiale. La place Ontario améliorée va donner aux personnes de tous âges accès aux espaces publics, à la piscine, à toute une série d'activités. Je vous invite à prendre place, messieurs, dames, les députés. Député de Spadina, Fort York. Si le député en face avait assisté aux consultations, il aurait entendu que les résidents de la province ne veulent pas mettre de l'argent des contribuables dans un spa luxueux, prix privé luxueux. En 2021, le gouvernement a recruté un conseiller spécial, un conseiller qui a reçu presque 200 000 $ chaque année. Ils ont donné le poste à un bon allié du Premier ministre et à l'un des candidats appuyés à la mairie de Toronto, Mark Saunders. Pourquoi est-ce que le gouvernement agit de la sorte? Réponse. Monsieur le Président, si seulement les députés d'en face avaient fait preuve du même enthousiasme lorsque les libéraux ont laissé la place entière dans un état de délabrement total. Nous croyons à l'action. Nous croyons aux investissements. Nous investissons 184 milliards de dollars dans des infrastructures sur les 10 années à venir. Et nous tenons notre promesse de raviver la place Ontario pour en faire un lieu remarquable pendant toute l'année. Le réaménagement de la place Ontario, nous soutenons la croissance économique et la prospérité avec un lieu ouvert pour tous. Grâce à nos investissements, nous allons créer environ 5 000 nouveaux emplois pendant la phase de construction et d'opération. Cela va attirer 4 à 6 millions de visiteurs chaque année. Nouvelle question complémentaire, député de Spadina, Fort York. Merci. Réponse intéressante. Les néo-démocrates ont demandé un accès à l'information concernant le mandat de Mark Saunders en tant que conseiller spécial sur la place entre nous. Et voici ce que nous avons trouvé. L'accès ne peut pas être fourni parce que de tels documents n'existent pas. Est-ce que ce conseiller spécial a fourni un seul
conseil concernant la place Ontario. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la place Ontario est précieuse pour les Ontariens. Et notre gouvernement s'est engagé auprès de la population que nous allons réaménagement de fond en comble la place Ontario. Nous allons la raviver en respectant les traits historiques et naturels. Cela va attirer des millions de visiteurs chaque année, de 4 à 6 millions de visiteurs chaque année, avec la création de 5 000 nouveaux emplois, un moteur pour l'économie. Et nous savons, nous reconnaissons l'importance de la protection environnementale, la faune et la flore lors de ce réaménagement. Et lorsque nous ravivons la place Ontario, ça va créer des milliers d'emplois et attirer de 4 à 6 millions de visiteurs chaque année. Merci. Nouvelle question, député de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Chaque jour, des milliers de résidents dans ma circonscription de Burlington et dans des localités de toute la région torontoise dépendent du réseau GO pour se rendre au travail, à l'école, au rendez-vous et pour aller voir des membres de la famille et des amis. Et comme partout en Ontario, la ville de Burlington et ses environs connaissent une croissance forte. Chaque jour, de plus en plus de gens se rendent dans la région Halton. Les gens de Burlington, Halton et aux alentours, nous faisons des investissements dans des réseaux de transport qui vont bénéficier à toute la province. Est-ce que le ministre veut bien faire le point sur les investissements de notre gouvernement dans le réseau GO? Monsieur le ministre, merci beaucoup, beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Burlington pour la question et pour son militantisme en faveur des usagers des transports collectifs de toute la province. C'est le plus gros plan d'expansion des transports dans l'histoire de la province, de toute l'Amérique du Nord. Le nouveau métro, train léger, GO dans les deux sens. Nous investissons 70 milliards de dollars sur les 10 années à venir pour relier les uns aux autres. L'expansion du réseau est une partie intégrante du plan. Le travail est en cours. Nous allons de l'avant avec un réseau dans les deux sens toutes les 15 minutes sur des parties clés du réseau. Avec les nouveaux trains électriques, nous allons pouvoir atteindre des vitesses de jusqu'à 140 km. Plus de trains, plus de services et des vitesses plus rapides. Ces investissements auront un impact sur les générations à venir. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le ministre a raison de reconnaître que des services dans les deux sens toute la journée vont rendre la vie beaucoup plus commode pour les usagers des transports de toute la région. Des personnes et des familles de toute la région me disent régulièrement que le train GO est la meilleure option qu'aussi pour aller au match sportif ou pour aller au centre-ville. C'est déjà la ligne la plus utilisée de tout le réseau et il y a un besoin pressant de services élargis. L'ancien gouvernement libéral n'a pas planifié pour faire face aux besoins croissants de transport. Notre gouvernement doit mettre en œuvre des solutions de transport qui nous aident à bâtir une province plus forte. Est-ce que le ministre veut bien expliquer comment nous élargissons le système, les réseaux de transport chez moi et au-delà? Merci. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les communautés ont besoin qu'on investisse dans les transports en commun en ce moment. C'est pourquoi, depuis 2018, nous avons continué à toujours effectuer des investissements dans la province pour des milliards de dollars. Nous avons aussi fait beaucoup de progrès pour la ligne GO. L'année dernière, nous avons annoncé un contrat pour la ligne GO avec des partenaires pour pouvoir projeter
construire et maintenir un réseau qui cela va durer pendant les 25 années à venir. De plus, les nouveaux rails vont donner aux voyageurs la possibilité de venir de Hamilton et d'autres endroits de la province beaucoup plus facilement. Je vais aussi vous donner plus de mises à jour alors que nous allons continuer de transformer cette province. Merci. Député de Parkdale, High Park, merci. Question au Premier ministre. Le coût des projets d'énergie est bien au-delà de ce qu'on a prévu et les dates butoirs aussi vont beaucoup plus loin. Les gens en ont marre, ils veulent des réponses. C'est pourquoi la NPD a présenté une motion ce matin. Nous voulons que le ministre vienne devant le comité, que nous dise ce qui est en train de se produire avec ces projets. Avant, les conservateurs ont refusé notre motion. Alors pourquoi ce gouvernement protège le ministre? Réponse, le ministre des Transports. Monsieur le Président, nous n'allons pas accepter de leçons de la part du NPD concernant les transports en commun ou concernant l'énergie. Tous les investissements que nous avons effectués sont des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars pour notre province. L'opposition a voté contre ces lignes, ces investissements et contre la ligne de Scarborough. Pendant des années, les gens de Scarborough ont été laissés pour compte et sous le leadership de ce Premier ministre, nous sommes en train de faire des investissements historiques pour pouvoir aider les Ontariens et les Torontois à pouvoir travailler dans une province qui est complètement connectée d'est en ouest, de nord au sud. Merci. Question complémentaire. Cette ligne de Eglinton a tué des entreprises, a laissé les gens sans emploi et a créé beaucoup de problèmes. En même temps, Metrolink est devenu encore moins transparent, encore plus problématique. Le seul train qui fonctionne, c'est le train sur lequel sont les chefs de Metrolink, j'ai l'impression. Alors, le salaire du PDG de Metrolink a doublé pratiquement. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de donner des primes à ce monsieur pour ses faillites? Merci. Réponse, le ministre. Ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie et je comprends la frustration des gens. Nous allons continuer de construire des lignes. Nous avons entendu les difficultés. Et chaque fois que nous présentons des changements dans cette chambre, on voit qu'il y a des difficultés. C'est un défi, mais nous sommes en train de faire tout ce qui est nécessaire. Si les députés d'en face acceptaient de participer à nos projets, ça faciliterait les choses, alors qu'ils ont voté contre tous les projets d'investissement que nous avons faits. Alors, sur la ligne de Kitchener, les députés ont voté contre à chaque fois. Les personnes de cette province s'attendent à ce que nous puissions construire des transports en commun. C'est ce que nous allons faire pour les années à venir. Député de Scarborough, en courte. Question au solliciteur général. La traite humaine, la violence entre partenaires intimes, la violence domestique et les kidnappings d'enfants existent sous différentes formes. Profiter de ces problèmes systématiques comme la pauvreté, les inégalités. Et cela crée des conditions de travail qui ne sont pas sûres.
Ces effets sont dévastateurs et ont comme résultat des traumatismes physiques et psychologiques pour les victimes. Combattre ces crimes est fondamental pour que notre gouvernement puisse mettre en place des politiques pour réduire ces crimes et donner du soutien aux victimes pour qu'ils puissent reconstruire leur vie. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer comment ce gouvernement est en train de maintenir les Ontariens en sécurité et en train de mitiger le poids sur les victimes de ce crime? Merci. Le solliciteur général, merci, j'apprécie la question. Et le député a raison. Il n'y a rien plus horrible que de commettre des crimes contre des gens vulnérables. C'est pourquoi nous investissons dans toute la province pour aider à soutenir les victimes. La violence domestique, la traite, l'exploitation des enfants sont des crimes pour lesquels nous avons fourni des soutiens avec des fonds pour pouvoir aider à mettre en place des programmes dans la province pour une stratégie contre la traite. Et je dois dire que 45 services de police reçoivent des financements à travers ce programme pour 2023-2024. Question complémentaire. Merci. Chacun mérite de pouvoir se sentir en sécurité chez lui, à son travail et dans sa communauté. La réalité, c'est que souvent, ces investissements de notre gouvernement dans des services sont un pas positif pour appuyer les victimes et les survivants, ainsi que de renforcer les partenariats entre agences. Toutefois, il est fondamental que les programmes et les services, à travers les fonds pour l'aide aux victimes, soient mis en place dans chaque communauté. Est-ce que le solliciteur général peut expliquer comment ce financement aide les victimes, les survivants? Le solliciteur général, chaque service de police qui reçoit ces financements a le projet d'aider les victimes de ces crimes. Comme exemple, on a vu par exemple un projet qui s'appelle Empreinte. Et ce projet va être utilisé pour financer et augmenter le soutien pour les victimes de violences intimes entre partenaires et pour aider tout le monde. Nous investissons de manière proactive, ciblée et précise afin de lutter contre la criminalité et d'assurer la sécurité des collectivités. Merci. Nouvelle question, député de Niagara Centre. Merci. Question au ministre des Affaires municipales et du Logement. L'année dernière, une force d'experts a donné des recommandations pour pouvoir améliorer et rendre plus rapide la construction. Nous avons mis en place beaucoup de projets. Maintenant, le ministre a envoyé une lettre menaçante à beaucoup de maires en Ontario en expliquant que ces maires auraient perdu les financements s'ils n'avaient pas répondu en l'espace d'un mois. Pourquoi le ministre est en train de menacer les municipalités alors que lui-même, il a choisi d'ignorer les recommandations? Alors, nous avons envoyé une lettre aux municipalités et nous avons mis en place 23 des municipalités. Et aujourd'hui, nous avons demandé à ces municipalités d'identifier les éléments principaux pour qu'on puisse construire plus rapidement les logements. Et nos partenaires municipaux sont contents de ces opportunités. Ils ont dit qu'ils étaient contents de pouvoir travailler avec les différents ministères. Donc, nous allons continuer de faire tout ce que nous pouvons pour pouvoir aider les municipalités et pour pouvoir construire plus rapidement.
pour mettre en place ce financement pour construire plus rapidement. L'opposition a voté contre ce financement, comme ils ont voté contre le fait de construire les transports en commun, les hôpitaux, les différentes lignes de transport public. Nous allons travailler toujours pour aider la population et nous allons continuer de le faire. Député de Hamilton, tout le monde sait que les politiques de ce gouvernement n'ont rien à faire avec le logement. Le Premier ministre a ignoré sa force, son groupe d'experts sur l'immobilier et a aidé ses amis à faire des profits sans construire une seule nouvelle maison à Hamilton. Nous sommes en train de pouvoir construire plus et nous le faisons à l'intérieur des limites municipales. Ça veut dire que nous avons besoin de moins d'infrastructures, nous avons des logements plus abordables. Alors, est-ce que le Premier ministre va arrêter de rendre plus compliqué le fait de construire des logements et va arrêter d'enrichir ses amis spéculateurs et va améliorer les projets de construction pour la population? Le ministre, non. Nous n'allons pas limiter l'expansion des limites municipales parce que à Hamilton, par exemple, la planification urbaine a trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Ce n'est pas vrai, dit la députée. Le ministre. Monsieur le Président, la province a identifié de nouvelles zones qui pourraient être disponibles pour la construction et qui pourraient être utilisées pour construire. Les municipalités ont le contrôle des territoires qui vont être utilisés, s'ils vont être utilisés. La bonne nouvelle pour les gens de Hamilton, c'est que malgré l'opposition, les politiques de ce gouvernement vont permettre à des milliers de personnes de pouvoir vivre dans ces communautés et d'être inclus dans l'expansion urbaine que nous voyons à Hamilton. Nouvelle question, député de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, ma question est au ministre des Transports. Scarborough mérite les mêmes transports que le reste de la population, mais ce gouvernement n'en est pas conscient. Ils ont éliminé les projets de construction et ils, malgré donc les projets qui ont été mis en place par le gouvernement libéral précédent, ce gouvernement ne donne pas les financements provinciaux dont la ville a besoin pour pouvoir développer les transports. Il y a des milliers de personnes qui ont besoin de transport. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à respecter la population de Scarborough et à lui donner les financements dont ils ont besoin? Le ministre. Monsieur le Président, l'ancien gouvernement libéral a eu 15 ans pour pouvoir construire les transports en commun à Scarborough. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Avec le leadership du Premier ministre, ils n'ont pas lancé la construction. La population de Scarborough a été ignorée pendant longtemps. Nous construisons des métros, des hôpitaux à Scarborough et nous n'allons pas accepter des leçons de quelqu'un d'un parti indépendant sur comment investir dans les transports en commun de Scarborough. Question complémentaire. Monsieur le Président, je ne sais pas ce que les gens du Parti conservateur de Scarborough disent au ministre à huis clos, mais il est temps qu'il écoute la communauté. Il est temps d'agir à Scarborough. Pourquoi le ministre trouve acceptable que les gens de Scarborough n'aient pas de soutien? Nous sommes importants. Le ministre associé des Transports. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais être claire.
après 15 ans d'inaction du gouvernement libéral, avec le leadership de notre Premier ministre, non seulement nous avons mis en place des nouveaux systèmes de transport, mais nous sommes en train de continuer la construction. Les libéraux n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait à Scarborough. Nous sommes en train de construire un nouvel hôpital. Nous développons de nouvelles infrastructures. Et nous allons développer les transports. Nous allons continuer de rendre Scarborough un endroit meilleur pour tout le monde, d'où qu'ils viennent, sous le leadership de ce Premier ministre. Scarborough est sur la carte. Député de Carleton, merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Éducation. Pendant ces dernières semaines, malgré les rencontres avec le ministre de l'Éducation, qui avait promis que le système de transport scolaire de Ottawa aurait reçu de nouveaux financements, ils ne les ont toujours pas reçus. Les rapports continuent d'être publiés avec beaucoup de transports qui sont annulés. Cela a laissé des milliers de parents dans ma circonscription de devoir s'organiser pour pouvoir faire arriver leurs enfants à l'école. Hier soir, la société de transport a nommé un manager par intérim. Ils sont frustrés. Ils cherchent quelqu'un responsable pour les activités de l'organisme de transport scolaire. Alors, Monsieur le Président, que fait ce ministre pour résoudre le problème? Le ministre de l'Éducation, merci à la députée. Et effectivement, la députée de Ottawa et ses commettants aiment bien se plaindre, mais nous sommes en train de donner tout le soutien nécessaire aux organismes pour le transport en commun. Nous savons que 70% des transports sont dédiés. Nous avons dédié énormément de ressources à Ottawa. Donc, je pense que beaucoup doivent demander mieux que ce qui est prévu. Alors, nous allons demander mieux pour tout le monde, pas juste pour Ottawa. Merci au ministre pour sa réponse. Malheureusement, les problèmes avec les transports scolaires ont un impact sur des milliers d'enfants. L'autorité des transports pour les écoles francophones ont aussi besoin de services. Les difficultés face auxquelles se trouvent les familles pour pouvoir faire arriver leurs enfants à l'école sont inacceptables. Certains parents m'ont dit qu'ils risquent de perdre leur emploi. Et certains ont dépensé à peu près 1 000 $ pour des Uber pour pouvoir faire arriver leurs enfants à l'école en taxi. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il fait pour aider les étudiants en Ontario? Le ministre. J'aimerais reconnaître
le leadership de la députée de Carleton, qui véritablement défend les intérêts de ses commettants et qui tient comme responsable l'OSTA pour son travail. Alors, nous devons faire en sorte que les parents aient un système de transport fiable pour leurs enfants. Nous avons augmenté les salaires pour les travailleurs, conducteurs de bus en particulier. Nous avons donné des augmentations remarquables, ce qui n'existait pas par le passé. Nous sommes en train d'augmenter le respect pour les travailleurs dans ce secteur. C'est pourquoi l'Association du transport scolaire a approuvé notre programme dans la même région. Des écoles francophones ont aussi des problèmes. Alors, nous avons envoyé un message clair. On s'attend à ce qu'il y ait mieux et que les transports scolaires soient fournis de manière cohérente et continue pour les familles qui ont besoin. Hier, le Bureau de la responsabilité financière a confirmé ce que nous savions. Ce gouvernement ne donne pas suffisamment de fonds au système de santé. Au lieu de renforcer le système public et aider les gens qui ont besoin de soins, ce gouvernement cache l'argent pour la santé dans des fonds de réserve. Est-ce que le gouvernement va écouter les gens qui disent que le système de santé est important et est-ce qu'ils vont dépenser l'argent pour des soins dont la population a besoin? La ministre. Merci. Comme nous avons dit, les opinions du Bureau de la responsabilité financière ne représentent pas véritablement les dépenses de ce gouvernement. Tous ceux qui veulent voir les chiffres précis doivent regarder les comptes publics qui montrent que les dépenses dans la santé ont augmenté de 2,7 milliards de dollars l'année dernière. Et ce gouvernement a augmenté les dépenses de santé de 16 milliards de dollars depuis 2018. Après des années de négligence de la part des gouvernements précédents, nous investissons dans les infrastructures pour construire plus de 50 nouveaux hôpitaux, 3 nouveaux hôpitaux, 2 nouveaux lits d'hôpital pendant les 3 années à venir. Et nous investissons aussi dans de nouvelles ressources et dans l'éducation et dans le développement des ressources humaines. Notre gouvernement a le programme pour pouvoir améliorer la santé et nous le faisons. Pendant les 3 premiers mois de l'année fiscale, ce gouvernement a dépensé 1 milliard de dollars en moins sur la santé par rapport à ce qu'ils avaient promis. Et tout cela pendant que les salles d'urgence continuent de fermer. Demandez aux gens de Minden. Alors que 2 millions d'Ontariens n'ont pas accès aux soins primaires, alors que des milliers d'enfants sont en liste d'attente pour avoir des opérations, ce gouvernement n'a pas dépensé 1 milliard de dollars qu'ils avaient alloués pour la santé pendant les 3 premiers mois de l'année fiscale. Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut pour ce gouvernement de passer des mots à la, pour passer des mots à l'action, commencer à investir l'argent pour donner aux gens les soins dont ils ont besoin? Merci, Monsieur le Président. Des années de négligence des gouvernements précédents appuyés par le NPD ont un impact, mais nous agissons pour pouvoir fournir de meilleurs soins pour les Ontariens. Notre programme a réduit les retards pour les opérations, mais nous avons ajouté aussi d'autres opérations de la cataracte ainsi que d'autres procédures. Et le NPD a voté contre. Dans notre budget de 2023, nous avons annoncé des investissements de plus de 20 millions de dollars pour pouvoir créer de nouvelles équipes de soins primaires. Et le NPD a voté contre. Nous réduisons les procédures, les formalités administratives pour offrir aux personnes l'accès aux soins. Nous avons un programme. Ça fonctionne. Merci. Député de Kingston et les îles.
Il y a cinq ans, le Premier ministre, en vidéo, a promis de pouvoir éliminer les terres de la ceinture de verdure. Il y a un an, il y a eu une enveloppe avec des instructions qui a été donnée pendant un dîner avec 8 milliards de dollars qui ont été donnés à ses amis et donateurs. Alors, il y a des processus qui vont trop vite, mais depuis ces procédures, il y a donc beaucoup de procédures qui sont mises en place. Ils s'excusent d'aller trop vite, mais ils s'excusent pour cela parce qu'ils veulent éviter de s'excuser pour le vrai problème, c'est-à-dire la corruption. Le président intervient. Je demande au député de retirer son commentaire. Question très simple. Je suis désolée de voir cette corruption. Je demande au député de retirer son commentaire. Inaudible. Juste pour être clair, si je fais référence au processus, est-ce que ça va? You must withdraw the unparliamentary comment. Vous devez retirer votre commentaire qui n'est pas parlementaire. Je retire, dit le député. Alors, réponse du ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, Monsieur le Président. Comme j'ai dit plusieurs fois, nous voulons construire des logements aussi rapidement que nous pouvons. Nous avons mis en place un processus pour créer des politiques publiques et c'est pourquoi nous avons décidé d'aller rapidement. Nous ne voulons pas être bloqués dans notre projet de construire 1,5 million de logements pour la population de l'Ontario. Nous essayons en fait de récupérer les problèmes qui ont été laissés par le gouvernement précédent. Nous avons vu que en 15 ans, les projets ne sont pas allés de l'avant. Donc, nous sommes sur le bon chemin pour pouvoir aider les jeunes pour qu'ils puissent sortir du sous-sol de leurs parents et entrer dans les maisons qu'ils méritent. Merci. Le député de Kingston et les îles pour la supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Là, il s'agit d'argent pour avoir accès privilégié au pouvoir et à la richesse. Le Premier ministre, certainement, sait qu'il y a plus de 50% des Ontariens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les gens ont des difficultés. C'est le travail de ce gouvernement de ne pas démoraliser la population et d'enrichir seulement leurs amis. Les scandales on continue. Alors, au Premier ministre, à travers vous, Monsieur le Président, ma question est très simple. Quand est-ce que vous avez perdu votre point de repère, votre direction, le ministre? Le Parti libéral, clairement, n'a pas les choses claires en tête. C'est un député qui veut se présenter comme leader du Parti libéral. Et maintenant, c'est le seul politicien de la province qui veut construire dans la ceinture de verdure. C'est quelqu'un qui est candidat pour la chefferie du parti et qui a accepté des milliers de dollars d'un parti que maintenant il définit comme étant corrompu. Alors, cette même question au leadership libéral, quel que soit le côté vers lequel vous voulez regarder, on peut vous poser exactement cette même question parce que, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement de résoudre les problèmes qui ont été laissés par le gouvernement précédent. Je me souviens de ce qu'ils ont fait pour faire en sorte que la taxe carbone soit appliquée aussi aux produits alimentaires. C'est ça ce qu'ils ont laissé comme patrimoine. Merci. Une question au ministre de la Réduction des formalités administratives. Les PME sont essentielles pour bâtir un Ontario fort. Ils fournissent des emplois qui sont essentiels dans nos collectivités et contribuent à leur croissance. Des réglementations inutiles et désuètes mettent en danger la compétitivité de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement doit poursuivre son travail de réduction des formalités administratives, de poursuivre ses investissements et aider à stimuler la compétitivité de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont
Notre gouvernement aide les entreprises ontariennes à prospérer et s'épanouir. Le ministre de la Réduction des formalités administratives. J'aimerais remercier la députée de Burlington pour sa question très importante. Je ne crois pas devoir rappeler aux députés ici ou aux Ontariens les politiques échouées sur les 15 années de pouvoir des libéraux appuyés par les néo-démocrates. Les emplois, les entreprises quittaient la province. L'Ontario devenait non concurrentiel en affaires. Grâce à notre gouvernement sous le leadership du premier ministre Ford, nous travaillons de façon acharnée depuis 2018 pour renverser la vapeur. Nous avons mis en place plusieurs mesures qui ont aidé ici en Chambre. Nous avons diminué, retiré 16 000 mesures désuètes. Nous avons épargné des millions de dollars aux entreprises. Nous poursuivrons notre travail. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement doit poursuivre la mise en place de mesures qui affectent le retrait de mesures qui affectent la compétitivité de nos entreprises. Les entreprises doivent naviguer des processus complexes. L'ancien gouvernement semblait croire que plus de formalités administratives était ce qui était de mieux. Mais en éliminant ces formalités inutiles, pour nous, avec notre gouvernement, nous permettons de nouveaux investissements sans mettre en danger la sécurité publique ou l'environnement. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont la diminution des formalités administratives dans la province encourage notre économie? Le ministre, j'aimerais remercier la députée pour son autre importante question. De ce côté de la Chambre, nous comprenons l'importance d'aider les entreprises car elles sont l'épine dorsale de notre économie. Il faut permettre à nos entreprises d'être concurrentielles mondialement. Grâce à nos initiatives, nouvelles entreprises sont entrées en affaires au cours de la dernière année grâce à notre travail. Ce sont plus de 700 000 emplois que nous avons vu créer depuis notre prise de pouvoir. Nous reconnaissons qu'il est important pour les entreprises de passer du temps à créer des emplois et investir plutôt que de s'inquiéter de paperasses qui prennent du temps et qui les empêchent d'être concurrentielles. Intervention du président. Merci. Député de Toronto Centre, nouvelle question. Au ministre des Affaires civiques et du multiculturalisme, il y a une grève des locataires dans votre circonscription. Ils luttent contre des augmentations au-delà des normes, des augmentations de loyers au-delà des normes. Ces personnes ont de la difficulté à payer leur loyer car les loyers ont augmenté en flèche depuis les 6 dernières années. Ce gouvernement a retiré le contrôle des loyers, a retiré les protections aux locataires. Au ministre, rétablirez-vous le vrai contrôle des loyers pour tous les logements, incluant ceux qui ont été bâtis après 2018? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Nous avons le plus de mises en chantier pour les édifices d'habitation spécialisés. Le problème, ce qui a créé le problème des loyers, c'est qu'on ne bâtissait pas assez. Les mamans et papas investissent pour l'avenir. C'est quelque chose que mes parents ont fait lorsqu'ils sont arrivés ici. Ils ont travaillé de façon acharnée.
ils se sont établis dans un petit édifice et la façon dont ils ont planifié leur retraite. Le mieux que nous puissions faire, c'est d'amener plus d'offres de logements. Nous avons un contrôle des loyers en Ontario, mais en même temps, nous bâtissons plus d'habitations pour diminuer l'effet. Parce que lorsqu'il y a plus d'offres, la demande, les prix diminuent. Complémentaire. De nouveau au ministre, voilà qui prouve la raison pour laquelle le gouvernement est déconnecté de la population ontarienne. Les gens ont de la difficulté. Ils en ont assez de la moisissure dans les murs, des ascenseurs qui ne fonctionnent plus, de tous les problèmes dont leurs édifices sont criblés. Ça fait en sorte qu'il y a eu des centaines de démolitions, expulsions qui se sont vues attribuer un permis dans la ville de Toronto. Au ministre, que ferez-vous pour mettre fin à la crise de l'abordabilité des logements en Ontario et protégerez-vous les Ontariens ordinaires des propriétaires d'habitations en série qui sont avares? Le ministre, vous savez ce que mes parents ont fait? Ils ont travaillé fort, 7 jours par semaine. Ils ont acheté 2 petites propriétés avec des appartements. Nous nous rendions dans ces appartements au cours de la semaine de relâche pour peinturer les appartements. Mes parents ont travaillé très fort, tout comme les 80 % de familles qui, dans la province, qui font exactement la même chose qu'ont fait mes parents. Ce ne sont pas des gens qui sont avares. C'est la différence entre les néo-démocrates et nous. On ne croit pas que les gens qui travaillent de façon acharnée et qui font des investissements sont avares. Nous les remercions du travail qu'ils font et nous voulons nous assurer que tout le monde soit responsable, que ce soit les locataires ou les propriétaires. Nous travaillons pour avoir une meilleure offre de logement. Je sais que le procureur général a aussi augmenté les ressources du tribunal de la location immobilière pour la population ontarienne. Prochaine question. Député de Markham-Unionville. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Il y a un organisme dans ma circonscription qui s'est vu attribuer un investissement de 24 000 $ utilisé pour différents programmes pour aider les aînés à sortir de chez eux et former des liens. Pendant des années, les aînés ont aidé à bâtir notre qualité de vie. Ils méritent d'avoir la possibilité d'être impliqués dans des programmes et activités de communauté locale. Intervention du président. Député de Waterloo, député d'Hamilton Mountain, ainsi que le ministre des Affaires municipales, j'aimerais vous informer que nous sommes passés à une autre question. Je présente mes excuses au député de Markham-Unionville. Vous avez la parole. Redémarrez la pendule. Terminez votre question. Nous poursuivons l'appui à ces organismes par le programme de subvention. Alors, est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de renseignements sur le programme de financement aux aînés et la façon dont il change la vie des aînés? Le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Je remercie l'incroyable député de Markham-Unionville pour sa question. Il fait un travail incroyable dans la défense des aînés qui vivent dans sa circonscription. Je vous remercie de nouveau de m'avoir invité à célébrer cette excellente nouvelle au musée de Markham. Le personnel et les bénévoles ont fait un excellent travail afin de créer des activités attirantes pour toute la collectivité. Maintenant, on peut offrir des programmes appliqués tels que des cours pour les aînés qui leur fournissent la possibilité d'être créatifs ensemble. C'est une excellente nouvelle pour nos aînés. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre et le premier ministre pour leur leadership.
dans l'aide à l'amélioration de la vie des aînés. Le programme d'investissement pour les aînés fait en sorte qu'il est possible pour des organismes locaux d'affecter la vie des aînés de façon directe. Ces subventions sont une belle façon d'appuyer des projets communautaires. On communique souvent avec mon bureau pour poser des questions sur les programmes offerts aux aînés et la façon dont on peut avoir accès aux outils et ressources disponibles pour cette tranche de la population. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de renseignements sur la façon dont les particuliers et entreprises peuvent connaître les programmes et activités disponibles aux aînés? Le ministre des Services aux aînés et de l'Accessibilité. Une bonne façon d'aider les aînés, c'est de les rassembler. Mon ministère travaille avec l'Association des personnes âgées de l'Ontario pour rassembler les aînés. Ces activités aident les aînés à trouver des activités, connaître les associations locales et se rassembler. Ça aide les aînés de Thunder Bay, Kenora, Toronto et d'ailleurs. Des événements pour les aînés sont une belle façon de sensibiliser les gens sur les programmes et services disponibles. J'encourage tous les députés à tenir des événements pour les aînés dans leur propre collectivité. Merci. Député de Sudbury, prochaine question. Malheureusement, Sudbury a l'un des plus hauts taux de décès liés aux opioïdes dans la province. Nous en sommes à 3 fois la moyenne provinciale. Bien qu'il y ait des sites d'injection supervision, il y a eu des milliers de visites à ce site, mais malgré leur travail, les travailleurs se sont vus remettre des avis de mise à pied. C'est parce qu'il n'y a eu aucun financement provincial attribué. Les gens de mes circonscriptions meurent. C'est une responsabilité provinciale. La ville de Sudbury a déjà investi 1 million de dollars pour assurer l'ouverture du centre. La ville ne peut investir plus et n'aurait même pas dû avoir à investir cet argent en premier lieu. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles de financement. Ma question, c'est combien de personnes de plus devront mourir dans le Nord avant que le gouvernement décide d'investir? Intervention du président, que les députés se rassoient. Réponse. Le ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. Nous avons eu des discussions sur ce sujet et nous avons parlé longuement de l'importance de bâtir un continuum des soins. Et voilà ce sur quoi nous avons travaillé dans la province, incluant Sudbury. Nous avons créé de nouveaux lits pour que les gens qui ont besoin d'aide puissent l'obtenir. Malheureusement, étant donné la situation que nous avons à Leslieville, nous avons dû étudier les conséquences de la sécurité publique et les conséquences sur la population dans la sélection d'emplacement de ces sites. Il faut assurer aussi la sécurité de la population dans ces centres, où ces centres se trouvent plutôt. Le procédé est en révision. Nous poursuivrons notre travail et nos investissements afin de nous assurer que les gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin là où ils en ont besoin. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions.